En fait, on a monté un concert spécial pour les trans, quoi. Ah oui. Parce que d'habitude, on avait le laptop, et puis on tournait les boutons, ouais. Et voilà, quoi. Okay. Puis on s'est dit, pour les trans, on va faire batterie, basse, et on a tout monté en 3 semaines, à peu près. On a eu des problèmes d'ordre juridique et judiciaire, hein. À ce moment-là. Ah oui, bah, des... ah, ça a mal tourné. Hein. Un méli-mélo avec un producteur éditeur véreux. Hein. Ah d'accord. Donc voilà. On lui a fait casser les genoux et puis après on a dit allez on arrête là. Et c'était assez drôle de, en fin de compte. C'était assez marrant sur MySpace, parce qu'on a développé le groupe à fond sur MySpace, de voir des messages d'encouragement de mecs qui pouvaient pas nous sentir avant, qui savaient pas que c'était nous, quoi. On a même été programmé une fois un concert, des mecs qui super The Shoes et tout, et qui pouvaient pas saquer The Film, en nous voyant arriver, c'était assez drôle, quoi. Et en nous voyant arriver, ils ont tiré une sacrée gueule, quoi, tu vois. C'était drôle, c'était maintenant marrant. Ils nous aiment bien. Ouais, maintenant ils nous aiment bien. Et nous on les a big up. Ouais, non, je t'emmerde. Ah, non. On parle souvent de l'école rémoise et alors il y en a qui disent la Reims Academy, on trouvait ça ridicule, la Reims Connection c'est pourri, et on s'est dit non, le stade de Reims c'est bien, ouais, et donc on voulait c'est mythique, ouais, c'est beau, et ouais non, on voulait faire un maxi où on représentait un petit peu ouais le stade de Reims, quoi. Mais Pierre, enfin Youksek, ça fait des années qu'on le connaît. Même à l'époque de The Film, c'est lui qui avait fait notre premier remix. Ouais. Donc bon, c'est une vieille histoire. Et Louis Brodinski, bah, par extension, on a sympathisé, on se connaît, on le voit souvent. On a beaucoup tourné l'année dernière, donc ce qui fait qu'on n'a pas pu bosser énormément sur la prod et tout ça. Donc là, on va se consacrer vraiment à ça, à qu'on sorte un album. Quand même. On a beaucoup de remix en retard aussi à faire, ouais. Parce qu'on on est assez demandé en remix. Mm-hmm. Disons que nous, ce qu'on aime, en général, dans les remix, on garde que les voix. Ouais. Le reste, on s'en fout. D'accord. Mais ce qu'on aime, c'est garder la chanson originale, pas trop cutée, tu sais, toutes les voix. Et reconstruire une harmonie différente du morceau original. Et nous, on part du principe qu'on accepte tout. C'est-à-dire que si demain, d'ailleurs, je sais pas, Alain Chamfort, il veut qu'on le remixe, ouais. On y va. Ah oui, d'accord. Vous êtes. Bah, c'est derrière. Ça qui est intéressant dans un remix, c'est de prendre une chanson puis d'en faire une autre, quelle que soit la base qu'on te propose.